Voilà. Et alors, le curé, il en a profité pour me filer une messe en première, là. J'ai rien compris. Il m'a parlé de la bonté de Dieu, enfin tout ça, c'est bien joli, mais ça ne me dit pas où elle est. Vous ne vous étiez pas disputé hier au soir? Oh non, oh, pas moi. Bon, depuis 5 ans que nous sommes mariés, jamais eu de dispute, jamais un mot. D'ailleurs, ma femme, c'est une femme très calme, elle ne parle jamais. Mais toi, en réfléchissant bien, tu n'as aucun soupçon, aucune idée dans la direction qu'elle aurait pu prendre? Mais la seule chose qui soit possible, c'est qu'elle se soit languie de sa mère. Elle y a été. Et pourquoi elle ne te l'aurait pas dit? Ah ben parce qu'il a eu peur que je lui refuse. Oh, puis tu sais que les femmes, on ne sait jamais. C'est tellement compliqué, c'est pire qu'une montre. Non, mais bon, c'est ça, va. Tu comprends? Tout ça, la fatigue de l'installation. Alors, ça l'a énervé, ça lui a fichu un coup de cafard. Et il a eu besoin de voir sa mère. Parce qu'elle aime beaucoup sa mère. Oh, si vous saviez comme elle aime sa mère, alors, oh là là. Oui. Elle va la voir souvent, je suppose. Tant qu'elle peut. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pétris, moi. Évidemment. Mais il est rigolo, lui. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, tenez! Oh. Et alors, il n'y a plus de place dans ton carnier que tu le portes à la main? Oh, Fada, si je le mets dans le carnier, personne ne le voit. Et il est beau. Ah oui, il est beau, mais il sera dur, tu sais. Oh, il a au moins 3 ans, hein. Vu le jaloux. Et toi, quand tu as tué ton chien Bastien, te croyant de tuer un lièvre, quel âge il avait? T'es un boulanger, voilà tes grives. Il y a une grosse et une petite. Le tordre, c'est meilleur, et la serre, c'est plus gros. Ah, merci, tenez, tu es brave. Hein. Seulement maintenant, de Grive, il y en a une de reste. Et sa femme a disparu. Oh, disparu, comment vous y allez? Elle n'a pas disparu. Et ce mal, elle n'est plus là, voilà. Tu l'aurais pas rencontré, des fois? Alors, moi, je crois pas. En fait, tu as vu personne? Naturellement, j'ai rencontré du monde. Ce matin, j'ai vu le facteur qui montait. Il était en bicyclette, tu sais. Et puis, j'ai vu un homme qui labourait au plateau de la Badoc. Ouais. Et puis, j'ai vu... Il m'a semblé de voir... Un cheval qui passait, là. Oh, je te parle pas d'un cheval, je te parle de ma femme. Il était seul, ce cheval? Non, il avait du monde sur l'esquine. Mais une femme? Il m'a semblé une femme. Alors, c'est pas ma femme. Oh non, elle s'est pas montée à cheval. Non. Mais cette dame sur ce cheval, elle n'était peut-être pas seule? Ah non, il y avait un homme devant et elle se tenait à son cou. Oh, c'est pas ma femme. Oh non, non. Oh, elle n'est pas si familière que ça. Alors, dites-moi, en bonne logique, moi, il... Si votre femme est allée chez sa mère sans vous prévenir de peur d'un refus, il me semble qu'elle aurait pu vous laisser un mot sur un papier. Hein? Mais évidemment qu'elle m'a laissé un mot. Quel grand imbécile que je fais. Mais oui, elle m'a laissé un mot. J'y pensais pas. Elle m'a laissé un mot. Je suis dans la chambre, sur la commode. Oh, j'y vais. Merci, monsieur l'instituteur. Allez, accompagnons-le. Hein, il ne trouvera pas. Quand même les femmes, c'est incroyable. Dis, c'était elle que tu as vue. Casimir, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, et surtout devant un ennemi. Ce que je peux te dire, même devant un ennemi, c'est que ce matin, j'ai vu un cheval qui passait et il descendait vers les marais. Il portait 2 personnes, un homme et une femme. L'homme ressemblait au berger du marquis et la femme ressemblait à la femme du boulanger. Alors, comme ça, elle est partie avec lui. Ah, pardon, monsieur l'instituteur, j'ai dit ressembler, j'ai pas dit que c'était eux. Mais enfin, ça leur ressemblait. Et ça ressemblait à des gens qui s'aiment et qui s'en vont n'importe où pour s'embrasser bien tranquillement. Et si vous voulez mon avis là-dessus, ça ressemblait à des gens qui ne reviendront pas. Et notre pauvre boulanger ressemble bougrement à un cocu. Il fallait s'y attendre. On a beau s'y attendre, mais quand ça ne doit pas arriver, ça n'arrive pas. Ah, c'est pas ma femme qui s'envolerait avec un berger. Elle n'est pas si bête. Hein, C'est les bergers qui sont pas si bêtes. Et puis ta femme avec les tétasses qu'elle a, c'est pas un berger qu'il lui faudrait. C'est un bouvier. Et qu'est-ce que tu veux? Des bouviers ici, il n'y en a pas, alors. Messieurs, le papier n'y est pas, mais comme j'ai laissé la fenêtre ouverte pendant 2 heures, on est un peu si le courant d'air l'a pas emporté par là ou par ici, là, hein? Oui, nous cherchons, oui. Enfin, nous faisons semblant, quoi. Le boulanger est ici? Oui, monsieur. Merci. Esprit, tu sais quelque chose, Guy? Eh bien, quoi? Dominique est parti avec la femme. Et ils ont emmené Scipion. Le plus beau cheval, le vieux a un peu une maladie. Je vous l'avais bien dit, il me semblait de les avoir reconnus.